écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, l'ouverture de la 15e session du sommet des BRICS à Johannesburg, le ministre des Finances Abdelaziz Faïd, qui représente le chef de l'État, rencontre aujourd'hui des membres de la communauté algérienne en Afrique du Sud. Les participants à la réunion annuelle des BRICS plaideront pour un monde plus équilibré, une réforme de la gouvernance. Il sera également question d'élargir le groupe. L'Algérie refuse à la France le survol du territoire national en vue d'une éventuelle intervention militaire qui serait imminente au Niger. Le Maroc ouvre en revanche son espace. Le ministère de l'Enseignement supérieur lance un chatbot, le premier en Algérie. Le logiciel a pour mission d'orienter les acteurs de l'université. Les inscriptions aux œuvres universitaires se poursuivent en parallèle des opérations de réhabilitation des résidences sont menées, illustration également. Et en sport, le championnat du monde d'athlétisme qui se poursuit en Hongrie, les Algériens Moula, Sejati et Gwened participent aux qualifications du 800 mètres ce soir. Madame, Monsieur, bonjour. Représentant du Président de la République, le ministre des Finances est à Johannesburg pour prendre part aux travaux de la 15e session du sommet des BRICS. En marge, l'Aziz Faïd a rencontré ce matin les membres de la communauté algérienne en Afrique du Sud, une tradition à laquelle est attaché le chef de l'État, le ministre des Finances, au micro de notre envoyé spécial, Kahina Aberdesh. Permettez-moi de vous adresser les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une attention particulière pour valoriser les compétences de la diaspora algérienne et renforcer leur lien avec le pays. Cette rencontre est là pour évaluer leurs conditions de vie et ainsi prendre en compte leurs préoccupations et revoir ensemble les derniers développements que connaît notre pays dans le cadre du processus du renouveau prometteur de notre pays. Je rappelle que l'Algérie a pris de nombreuses décisions pour améliorer le cadre de vie de sa diaspora en la considérant comme une force de proposition et d'influence pour le développement. Les représentants de la communauté algérienne ont salué l'initiative tout en relevant les efforts consentis par les hautes autorités algériennes pour répondre à leurs préoccupations. En témoigne la ligne Alger-Johannesburg qui vient d'être lancée. C'était une occasion de discuter de nos préoccupations et c'était un plaisir d'avoir concrétisé cette ligne que nous avons attendue depuis très longtemps. Nous sommes très heureux d'avoir le vol directement Johannesburg-Alger. Mes remerciements pour M. le Président d'avoir fait ses efforts envers la communauté algérienne ici en Afrique du Sud et on espère bien qu'il va continuer sur cette lancée à l'avenir. Et cette rencontre de la délégation ministérielle algérienne avec la communauté nationale établie en Afrique du Sud intervient pour rappel en marge de la participation de l'Algérie à la rencontre annuelle des BRICS, une rencontre qui examinera notamment la question de l'élargissement du club à d'autres membres de façon à mieux défendre la réforme de la gouvernance mondiale. Rimbo Kadoum. Près de 23 pays candidats souhaitent intégrer cette alliance économique, dont l'Algérie, qui propose une contribution de 1,5 milliard de dollars à la Banque de développement des BRICS. Un choix basé sur le principe de non-alignement tant défendu par l'Algérie et qui répond à des considérations pragmatiques. Abdelkader Mchdel, économiste. L'élargissement du groupe des BRICS donnerait plus de dynamique, de travail et de visibilité par rapport à la présence du groupe comme une puissance émergente dans les champs les plus sensibles en relation avec le commerce et l'investissement à travers le monde. La contribution des BRICS au PIB mondial est de 31,7%. Les pays membres plaident pour un développement durable, un multilatéralisme inclusif et un renforcement des BRICS à travers aussi la valorisation de nouveaux partenariats, le partage d'expertise entre les pays membres et sur la question de la dédollarisation des transactions internationales. Babazil Prudence Makubalo, économiste sud-africaine. La proposition de créer une monnaie commune fait partie des questions qui devraient figurer à l'ordre du jour du sommet des BRICS qui débute aujourd'hui, ainsi que sur la possibilité de trouver de nouveaux partenaires. Ce sera le premier sommet des BRICS à être organisé en présentiel depuis la pandémie de Covid-19 et les restrictions mondiales qui ont suivi. Une occasion aussi de partager le savoir-faire des pays présents. Notre ministre des Relations internationales a déclaré que l'Afrique du Sud a beaucoup à apprendre du Brésil. Les dirigeants de 67 pays du Sud sont invités pour assister à ce rendez-vous géopolitique des plus importants, surtout en ces temps de crise économique et politique mondiale.
Ce rendez-vous de Johannesburg revêt une importance particulière. Il intervient dans un contexte en pleine mutation. Il est scruté de près par l'Occident, Hanan Saïsi. Et c'est parce que c'est un événement mondial, Nariman. Jamais un sommet des cinq pays composant les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, n'a autant retenu l'attention de l'opinion nationale et internationale d'ailleurs, depuis notamment la création de ce groupe économique par excellence. Ce rendez-vous historique intercontinental, selon les experts, marquera un nouveau tournant dans les équilibres et les rapports de force, une reconfiguration de l'ordre mondial, puisque l'objectif de ce sommet vise à transformer les BRICS en une entité géopolitique stratégique sur l'échiquier mondial. Du moins, c'est de l'avis de Arslan Chekhaoui, expert en relations internationales et membre du comité TRAC 2 du système des Nations Unies. Il nous en parle à partir du comité d'experts du 15e sommet des BRICS à Pretoria. Aujourd'hui, le groupe des BRICS, qui est constitué des cinq grands pays émergents du Sud global, avec ou sans son élargissement, une voie supplémentaire qui est en train d'émerger et de se consolider et de renforcer son existence et sa dimension internationale et géopolitique. C'est important parce qu'en fait, ce groupe permettra, dans un contexte nouveau de recomposition des alliances stratégiques, d'avoir un levier à dimension politique et économique. Pour un bon nombre de pays, notamment ceux du Sud global, cette nouvelle cartographie géopolitique représente aujourd'hui une opportunité pour s'affirmer tant sur le plan politique, économique et géopolitique. Professeur Arslan Chekhaoui. Le Sud global aujourd'hui souhaite s'affirmer, souhaite s'émanciper sur le plan économique, mais également sur le plan politique et géopolitique. Et par conséquent, cette redéfinition de la cartographie géopolitique de la planète leur permettra de pouvoir s'inscrire dans une logique. Et la seule voie aujourd'hui qui est en train de s'affirmer est représentée aujourd'hui par ce groupe des BRICS. À noter enfin, le 15e sommet est placé sous le thème « Les BRICS et l'Afrique », un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. L'Afrique, considérée comme un axe stratégique tant dans l'itinéraire du projet géant chinois, à savoir l'initiative des nouvelles routes de la soie, mais également pour la Russie, un pays influent dans le groupe qui se tourne vers le continent africain. En témoigne le récent sommet Russie-Afrique qui s'est déroulé à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Et avant l'ouverture de la 15e session du sommet des BRICS, l'Afrique du Sud a pour rappel réaffirmé son soutien au peuple palestinien et sahraoui dans leur lutte contre l'occupation. Le président Ramaphosa a également mis l'accent sur le nécessaire respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays et peuples. L'Algérie refuse à la France le survol du territoire national en vue d'une éventuelle intervention militaire. Face à cette fin de non-recevoir, Paris a sollicité le Maroc qui a obtempéré et trahi ainsi une nouvelle fois le continent Liestarini. L'intervention militaire française se précise au Niger, selon des sources confirmées. L'Algérie, qui a toujours privilégié une solution politique négociée, a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour atteindre le Niger. Une réponse ferme et sans équivoque. L'histoire nous enseigne que les interventions militaires dans la région ont engendré des conséquences dévastatrices. Régis Sungpe, analyste politique. L'hypothèse d'une intervention armée, elle est risquée d'un point de vue politique et humain. Des risques de dangerosité, parce qu'il y aura des déplacés, il y aura des exilés, il y aura une montée de plus en plus de dissensions. On a eu l'exemple libyen où le décrochage sécuritaire de la Libye a provoqué la propagation des groupes armés terroristes. Des répercussions sur plusieurs années. Ne créons pas une Libye bis. Devant le refus algérien, la France a sollicité le Maroc, qui a sans surprise répondu favorablement. Les plans des vols des avions militaires français ont été déposés au niveau des autorités marocaines. Bala Al-Qantri, politologue. Cet accord donné par le Maroc aux avions français pour aller bombarder au Niger me paraît quelque chose de conforme à la tradition de ce régime marocain qui avait souvent agi en porte-à-faux avec les intérêts des peuples de la région. Je ne suis pas surpris que le régime marocain puisse agir de la sorte. Le rôle du régime marocain dans la région du Sahel est
est éminemment un rôle déstabilisateur et préparateur d'interventions occidentales ou du maintien des intérêts des forces occidentales dans la région sahélo-saharienne. Une violation marocaine flagrante du droit international, ce soutien à l'intervention militaire occidentale au Niger constitue une énième trahison envers l'Afrique et ses intérêts. Par ailleurs, et à propos de la crise au Niger, nous avons appris il y a quelques instants que l'Union africaine a décidé de suspendre le Niger de ses institutions après le coup d'État. Le ministre de l'Intérieur instruit les Walis pour assurer une bonne rentrée scolaire. Il instruit également de parachever les infrastructures en cours de réalisation en vue de réduire la surcharge des classes. Brahim Mred exhorte par ailleurs à ce que les listes des bénéficiaires de la prime de scolarité soient finalisées dans les plus brefs délais. L'université à présent, pour vous rappeler que les inscriptions aux œuvres universitaires se poursuivront jusqu'à demain, en parallèle des opérations de réhabilitation des résidences universitaires sont menées, direction Guelma en compagnie de Zoher Douaha. La direction des œuvres universitaires a bénéficié de 4 projets pour mettre à niveau toutes les résidences universitaires et accueillir les étudiants dans des conditions appropriées. Le chef du département du contrôle et de coordination, Mohamed Yassine Boudra, nous en parle plus. La résidence universitaire à Gon Saleh sera consacrée pour accueillir les garçons cette année-là. Le projet 1, le réaménagement de la restauration et de l'entretien du réseau extérieur de la chaufferie principale au niveau de la résidence universitaire. Yahya Saleh. Projet 2, réfection de la salle omnisport au niveau de la résidence universitaire Habash Ahmed Sherif. Le troisième projet a été destiné aux grands travaux au niveau des pavillons d'hébergement au niveau de la résidence universitaire Omar Belhassab. Ce projet a permis d'augmenter la capacité d'hébergement de 576 lits. Le quatrième projet a été destiné pour la réhabilitation et la réfection d'un pavillon d'une capacité de 172 lits au niveau de la résidence universitaire Saleh Yahya. La numérisation du secteur s'applique parfaitement. La carte d'étudiant électronique unie à multi-usage sera généralisée au niveau pédagogique et des œuvres universitaires. Ainsi, le dispositif de pointage et de reconnaissance faciale a été mis en service pour donner plus de transparence dans la gestion de l'argent public, et surtout concernant les gens ayant droit au service de la restauration et d'hébergement. De Galma Zohel Douaha, Al-Jishen 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est déplacé ce matin au siège du CERIST, le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique. Kamal Badari a mis en avant les nombreux projets prévus pour valoriser la recherche et développer l'intelligence artificielle, notamment à travers la mise en place d'un réseau de calcul intensif. Maya Alkins. Ce réseau regroupe un ensemble d'infrastructures dédiées au calcul intensif nécessaire aux besoins des applications de l'intelligence artificielle. Kamal Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est pour mettre en place un réseau pour le calcul intensif. Ce réseau-là sera mis en place fin février 2024. Sera composé par le nœud central qui se situe au niveau du CERIST avec 20 plateaux distribués au niveau national. Et avec cela, on va devenir une puissance nationale en matière de calcul intensif qui va nous permettre de réaliser des simulations numériques et le pré-apprentissage d'intelligence artificielle. Le ministre a visité entre autres le stand où sont exposés les différents modèles de drones. La recherche en matière de construction et de pilotage de drones en matière de cybersécurité font partie des missions du CERIST en matière de valorisation des produits de recherche. Avec ce réseau national de calcul intensif, avec cette spin-off au niveau du CERIST, le CERIST va participer pour devenir un vrai partenaire des autres sociétés nationales en matière de cybersécurité et en matière de valorisation des produits de recherche. Un nouveau data center aux normes internationales sera fonctionnel à partir de novembre prochain. Une partie de ce centre sera consacrée au calcul intensif et une autre dédiée, entre autres, à la communauté scientifique, aux start-up et au monde économique. Le ministère de l'Enseignement supérieur qui met également en place un chatbot, le premier en Algérie. Le logiciel est basé sur l'intelligence artificielle et peut répondre à environ 500 questions. Mode d'emploi avec Sophia Boukarcha.
Nous sommes sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur. En cliquant bas à droite sur une icône, la fenêtre s'ouvre. Un chat s'affiche, le chatbot. C'est la nouvelle démarche pour orienter tous les acteurs du ministère. Yassine Belkhouja, sous-directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur. Soit les enseignants, les étudiants, les nouveaux bacheliers, les étudiants internationaux. C'est un logiciel basé à l'intelligence artificielle. Par exemple, la partie scolarité, la partie étudiants internationaux. On crée un modèle. Quand on pose des questions, avec le modèle, il va s'entraîner. Basé sur l'intelligence artificielle, l'utilisateur peut donc poser toutes ses questions. Nous avons tenté l'expérience. Bonjour, comment peut-on procéder à un transfert d'une université à une autre? Vous devez remplir le formulaire en ligne disponible à l'adresse progrès.mestre.dz/vbtu. En spécifiant la formation de son choix. Le logiciel est entraîné pour répondre à environ 500 questions. Basé sur un modèle, ce programme est conçu par des compétences algériennes. Yassine Belkhouja. On a alimenté au préalable avec des questions, des réponses déjà prédéfinies, mais elle va s'entraîner à répondre à des questions qui ne sont pas déjà posées au préalable. Le système, c'est tout un système qui travaille derrière. Il a été réalisé par les techniciens du secteur. C'est une filiale du CERIST où elle nous a aidés pour l'intégrer sur le site web du ministère. Le développement de ce logiciel, une autre étape qui vient s'ajouter aux efforts du secteur pour sa numérisation et sa modernisation, et ainsi être au diapason des dernières avancées technologiques. Une start-up algérienne sélectionnée pour représenter l'Algérie au sommet mondial de l'entrepreneuriat au Chili, la start-up Assista Soins, spécialisée dans la e-santé, s'est démarquée lors d'un concours de sélection ici en Algérie avec une idée innovante qui a pu rassembler plus de 180 partenaires spécialisés. Plus de détails avec Samir Alloun. Des start-up, des innovations algériennes qui brillent à l'international. Dans les quatre coins du monde, des événements liés aux nouvelles technologies et à l'entrepreneuriat sont organisés, durant lesquels, à de maintes reprises, des idées, des concepts ou prototypes 100% algériens sont récompensés. Des innovations axées sur la résolution de problématiques touchant à différents domaines. Diyad-Din Brinet, responsable des relations extérieures de la start-up Assista Soins, spécialisée dans la e-santé. La start-up Assista Soins a été sélectionnée pour représenter l'Algérie au sommet mondial de l'entrepreneuriat du 14 au 18 avril 2024 au Chili. Cette sélection est venue suite aux éliminatoires de concours organisés au début de semaine à l'Institut supérieur des sciences, en présence d'experts et de représentants de plusieurs ministères et directions concernés en plus de spécialistes. Actif depuis avril dernier, l'équipe composée de 5 jeunes, tous maîtrisant différentes spécialités, se sont démarqués à la fois par leur innovation et qualité de service. Pas moins de 300 interventions à domicile ont été assurées. Fondée par 5 jeunes algériens de formation multidisciplinaire. On a pensé de créer une solution numérisée qui a pour but d'améliorer la qualité des soins via une application et une plateforme web qui a permis aux patients et ses accompagnateurs de trouver des prestataires de services de soins à domicile. La start-up a le label de projet innovant et le label de start-up en janvier 2023 sur le marché depuis avril 2023. Des idées qui se caractérisent par une volonté d'accélérer la transition numérique du pays à mettre en œuvre des services, des applications et autres outils technologiques qui réduisent les distances et permettent un contact plus facile entre médecins et patients. On passe à l'actualité sportive avec vous, Lotfi Benidir. On va commencer par la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. La sélection nationale affrontera le Rwanda en quart de finale cet après-midi. Le 6 national jouera pour une place en demi-finale au championnat d'Afrique des Nations. Ce sera à partir de 14h cet après-midi au niveau du palais polyvalent des sports à Yaoundé au Cameroun. On rappelle que l'Algérie avait terminé à la troisième position avec un total de 8 points. Et sur l'état d'esprit justement et les chances de qualification, on écoute la capitaine de la sélection nationale, Zohra Ben Salem. Nous allons jouer le quart de finale contre le Rwanda. C'est une équipe qui a terminé deuxième dans sa poule. On a eu la chance de les voir jouer. C'est une équipe à ne pas négliger. Elles sont bonnes techniquement et physiquement. Ça ne va pas être facile pour nous cet après-midi. Mais on a quand même bien préparé cette rencontre où nous avons pu voir quelques matchs et sur lesquels on a détecté quelques failles sur le plan défensif. On va jouer sur ça et nous allons nous battre pour avoir cette place aux demi-finales, Inch'Allah. On rappelle le programme des quarts de finale aujourd'hui puisque la première demi-finale a commencé entre l'Égypte et l'Ouganda, elle a commencé à midi, Algérie-Rwanda 14h, Kenya-Nigeria 16h et enfin Cameroun-Maroc à partir de 18h. Championnat du monde d'athlétisme à présent, trois athlètes algériens entrent en lice aujourd'hui. Cela concerne principalement la spécialité du 800 mètres et pour nous en parler, notre spécialiste maison, Malik El-Wahla, bonjour.
Bonjour Lotfi, bonjour Nariman. Effectivement, donc le début des séries du 800 mètres débutera à partir de 18h20. La première série où l'on retrouvera le jeune Mohamed Ali Gouaned, 19e mondial cette saison, et qui devra aller chercher l'une des trois premières places qualificatives aux demi-finales. À 18h36, ça sera au tour de notre vice-champion du monde de la spécialité, Jamel Sidzati, qui sera dans la troisième série et qui ne devrait pas trouver beaucoup de difficultés à se qualifier. Et pour finir, la sixième série est prévue à 19h avec l'entrée en lice du meilleur athlète algérien cette saison, à savoir Slimane Moula, redoutable sur le circuit de la Diamond League cette année et classé quatrième au classement mondial. Et en ce qui concerne le programme de la soirée, il y aura quatre finales, notamment du 100 hauteur avec le Qatari champion olympique Mouataz El Barchem, du disque féminin, une très belle finale du 1500 mètres dames avec la Kenyane Faith Kipyegon, et en fin de soirée, la finale du 3000 mètres steeple, messieurs Lotfi. Merci Malik Mouhla. Donc c'était le programme complet de nos athlètes pour ce soir, et on termine l'animation par cette information en Ligue 2, puisque c'est ce matin qu'a procédé au niveau de la Ligue nationale de football, ce mardi, donc au siège de la Ligue, au tirage au sort du calendrier du championnat de la saison 2023-2024. Le programme complet sera étalé dans nos prochaines éditions. Merci Lotfi, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Donc...